Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter des techniques qui vont pouvoir arrêter les Kamehameha de vos adversaires. Donc déjà, regardez, je vais tester une technique qui est les murs blindés. Donc je me demande combien de murs blindés un Kamehameha peut casser. Donc on va tester ça tout de suite. Donc hop, je me mets ici et j'utilise mon Kamehameha. On va voir. 1. Voilà, ça casse un seul mur blindé. Donc le deuxième est presque en fin de vie. Mais donc ça fait presque 5000 de dégâts en réalité, un Kamehameha. Mais voilà, ça ne casse qu'un seul mur. Donc si vraiment vous êtes en danger ou vous vous sentez en danger et que vous avez des murs blindés, bah vous placez deux murs. Vous cachez derrière deux murs blindés et vous êtes en sécurité. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre solution pour stopper un Kamehameha. Alors, la deuxième solution, je pense que ça fonctionne aussi, c'est avec une grenade répulsive. Bien entendu, il faut que l'adversaire qui fait le Kamehameha soit près du sol pour que ça fonctionne. Et il faut qu'il soit à proximité quand vous lancez votre répulsive. Il faut que ce soit l'adversaire doit être à proximité. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va tester. Donc, hop, voilà. C'est parti, let's go. Donc, je m'apprête. Je vais lui lancer une répulsive. Voilà, ici. Merde, je l'ai lancé un peu trop bas. Bah, donc là, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein. On va quand même réessayer. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Parce que l'onde de choc n'arrive pas à toucher la personne. Donc, hop, on réessaye une deuxième fois. Ah non, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec une grenade à onde de choc. Voir normalement. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner parce que bah, c'est la même chose. Donc on va tester quand même pour être sûr. Donc, hop. Et là, ça ne fonctionne pas non plus en fait. On ne peut pas arrêter le Kamehameha avec des ondes de choc. Ça ne fonctionne pas. Donc la seule solution pour arrêter un Kamehameha, c'est avec une boogie dance. Donc là, je vais chercher une boogie dance et je vais vous montrer ça. Ok, donc regardez, là j'ai trouvé des boogie dance. Donc je vais faire attaquer un Kamehameha. Hop, là j'utilise la boogie dance et boum, ça annule directement le Kamehameha. Donc les deux seules solutions pour arrêter un Kamehameha, c'est la boogie dance et c'est les deux murs de pierre. Les deux murs blindés. Donc là, regardez, je vous remontre. Hop. Après, il faut vraiment que la boogie dance touche la personne qui est en train de faire le caméra, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré à propos de cette vidéo. C'était plutôt une vidéo expérience, hein. Donc voilà, je vous ai montré toutes les expériences que j'ai faites. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!